Mes chers compatriotes, la situation que nous connaissons actuellement est particulièrement délicate. Naturellement, nous nous attendions à connaître ces moments difficiles, ces moments où le courage doit s'allier à la volonté. Et faire front, faire face à la menace. Cette menace qui a clairement dépassé le stade de l'intimidation, de la volonté de réduire l'être humain, les citoyens, à peu de choses, à la portion congrue du grand tout que représente le monde terrestre. Mes chers compatriotes, je tenais à vous signifiez la considération que j'ai à votre endroit et la considération que chacun d'entre vous doit à l'ensemble des autres citoyens. Le temps n'est pas à la polémique, à la déstructuration du lien, à la volonté néfaste, volonté négative, de se prévaloir de qualité, d'atout, de vertu, qui, confronté à la dure réalité que nous vivons, représente peu de choses. L'heure est au rassemblement. Vous l'avez précisément et précédemment signifié, l'heure est à la cohésion. Il ne s'agit pas de se plaindre, se perdre en plaintes nauséabondes, diverses, variées, de vilipender, de dénoncer, de critiquer, de dénigrer les personnes qui sont censées représenter une autorité, un statut, une éthique, une expertise. Alors que nous devons faire face, encore une fois, à une situation sanitaire sans précédent. L'histoire a montré et démontré que ce n'est pas la fuite en avant, ce n'est pas la dénonciation, ce n'est pas la faiblesse, ce n'est pas la lâcheté, ce n'est pas la volonté de détruire, mais de construire, qui a sauvé les groupes, les nations, les ensembles, le monde de telles tragédies. Naturellement, les autorités en poste font tout leur possible
pour faire face à une situation délétère. Il est toujours aisé de revenir, de préjuger, de construire des châteaux forts, hermétiques, solides, d'imaginer des fuites en arrière, des scénarii qui nous fassent appréhender la situation dans des conditions, des circonstances qui soient plus favorables, naturellement. Il est bien facile de se trouver des excuses, de trouver de fausses excuses, de reprocher à l'un son incapacité, à l'autre son impuissance, à l'autre, encore une fois, ses manquements. Mais il est moins facile, aisé, de trouver des solutions qui nous permettent de dépasser cette situation, ces difficultés. J'enjoins toutes les forces en présence, toutes celles à même de produire des propositions, nous faire avancer. Faire avancer le corps médical, le corps scientifique, à émettre leurs avis, le cas échéant, éclairé. En attendant, j'enjoins les individus, les personnes, les groupements, à taire davantage leur volonté de nuisance, leurs égos, leurs faiblesses psychosociologiques, psychologiques, puisque nous sommes tous confrontés au même fléau et que nous disposons le plus souvent des mêmes armes qui nous met sur le même pied d'égalité. Sociologique, car naturellement certains se prévalent de représenter mieux, plus largement, des aspirations citoyennes, éparses, individuelles, qui seraient à même de prêcher une parole plus précise, plus éclairée, plus lucide. Or, force est de constater que la situation, encore une fois, n'est pas à la mise en avant des vertus, encore une fois, des orgueils, des représentations. L'heure est à la cohésion, comme je l'ai dit, et le redire. L'heure est à l'union. L'heure est à l'apaisement. L'apaisement des cœurs, des corps, la prise en compte des souffrances. Je tenais à saluer à ce titre les bonnes âmes, les démonstrations de grandeur humaine, les actes, les comportements héroïques qui se manifestent et qui nous rassure dans le bien qu'on pense encore de l'humanité, de l'être humain. Il y a encore ce bas monde des êtres qui contribuent à élever le niveau, non seulement le niveau intellectuel, le niveau de moralité, mais surtout le niveau de la dignité, de l'âme humaine, de ce que nous partageons le plus cher, l'humanité. Le lien universel
de sang, parfois de chair. Que le Tout-Puissant, la transcendance, nous a transmis. Alors, mes chers compatriotes, je vous demande de continuer à œuvrer dans le sens du bien commun, dans le sens de la vertu collective. Et tiens, encore une fois, à saluer l'ensemble des personnes impliquées directement dans la résolution de ce nœud, de ce problème. Toutes les forces positives, engagées, sollicitées, impliquées, de près ou de loin. Mais aussi tous les citoyens qui, à leur niveau, avec leurs forces, avec leurs moyens, contribuent à s'unir, à former bloc, à constituer une force collective et générer l'énergie nécessaire à faire face à ce fléau. Seul, nous ne pouvons rien. Ensemble, nous pouvons beaucoup. Et naturellement, dans cette période où la distanciation sociale est de mise, est nécessaire, est obligatoire, et j'appelle chacun à conserver un respect strict, une rigueur, une discipline. En ce sens, en cette période, naturellement, les apparences sont trompeuses. Mais là encore, le fond du problème, le fond des choses, c'est de rester soudés. Et quand bien même nous serions distancés, et quand bien même l'ennemi, le fléau, est puissant, ravageur, irradiant. Et justement, parce que l'ennemi commun, l'ennemi public, est dévastateur, l'heure, plus que jamais, est au rassemblement, est à l'union des forces. Encore une fois, bien que distante, nécessaire. Nécessaire à insuffler l'énergie. L'énergie à la nation. L'énergie à nos défenseurs, l'énergie au personnel soignant, l'énergie aux forces de l'ordre, l'énergie à tous les bâtisseurs de notre société, tous ceux qui œuvrent à faire pérenniser le lien social, à la survie, de notre société, tous ceux qui conditionnent la vie sociale, la vie humaine. Je tire mon chapeau et je transmets tous mes témoignages de respect, de considération à ces forces-là, aux forces positives, aux forces courageuses, aux forces droites, nobles, qui composent la France. Plus que jamais. Vive la République. Vive la France. Et vive les Français. Courage à vous. Force à vous.